pense qu'il y a pas mal d'actions qui se font en ville de Genève, mais je dirais que ce qui est important avant tout, c'est le message des autorités envers leur population. On est une ville internationale, on est historiquement une ville qui s'est construite sur la migration, et la volonté de la ville de Genève, c'est de voir la diversité et la migration pas uniquement comme un problème avec des difficultés à résoudre, mais vraiment comme un atout, de la valoriser auprès des citoyens, des citoyennes, des nouveaux habitants, et de travailler aussi à la valoriser au sein de l'administration. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est un soutien à tout le tissu associatif de la diversité à Genève, avec des événements qui sont des événements qui s'égrènent tout au long de l'année pour aller à la rencontre des gens, pour délivrer notre message politique et puis pour valoriser qui ils sont et qui on est ensemble, collectivement. Oui, dans la maison, il a mis, tu vois. La grande satisfaction de ma vie, si je peux dire, c'est justement la reconnaissance que je trouve tous les jours avec les personnes qui viennent ici. Les merci, c'est implicite, les merci, c'est tacite. On les voit quand on prête un livre dans une langue maternelle, on voit quand des gens qui viennent des situations de guerre très compliquées trouvent un livre dans leur langue maternelle, des larmes qui coulent, l'émotion qui se manifeste. Ça, c'est pour moi la reconnaissance. Tout d'un coup, les gens ne savent même pas dire merci en français, mais les gens embrassent, les gens me donnent des bisous, les gens me disent je veux venir avec mes enfants, je ne savais pas que ces lieux existaient. Ça, c'est pour nous la reconnaissance, c'est le moteur de notre travail. On n'est rien sans le réseau et on travaille avec une centaine de partenaires. On a des réseaux à différents niveaux. Déjà immédiatement dans le quartier, on a beaucoup de synergies. Mais ensuite, on a un réseau pour les associations féminines, on a un réseau pour la formation, on a un réseau pour l'insertion professionnelle, on a un réseau pour le soutien à la parentalité, on a un réseau santé sociale.
Ça fait une centaine de partenaires. L'utilité de Genève Roule réside dans le fait qu'on emploie plusieurs personnes qui sont des migrantes, ce qui leur permet d'apprendre le français, d'avoir du contact avec les clients et aussi avec les cadres de l'association qui sont francophones. Du coup, ça leur permet justement d'acquérir des compétences en français, mais aussi des compétences professionnelles. Un projet d'accueil libre, gratuit, flexible, sans inscription, pour des personnes migrantes qui étaient dans des situations de précarité plus ou moins avancées et pour permettre aux gens d'avoir un lieu de respiration, un lieu où ils peuvent être reconnus, valorisés et pouvoir faire le bilan de là où ils en sont dans leur situation pour savoir comment avancer et simplement trouver des énergies, trouver de la reconnaissance sans avoir besoin d'expliquer tout leur parcours et tous les traumatismes qu'ils ont vécus. Ici, on est dans un point info-service de l'antenne sociale de proximité de la ville de Genève. Et on reçoit tous les jours de 9h à 13h des habitants du quartier, mais au-delà du quartier, des gens de la ville qui viennent chercher de l'information, déposer des problèmes. Et nous, on leur répond factuellement en leur donnant des réponses à leurs questions. On les réoriente vers d'autres services de la ville ou du canton de Genève, ce qui leur permet de trouver une solution à leurs problèmes.
êtes dans la rue, vous avez des personnes qui viennent de partout dans le monde. On est une ville internationale, le siège européen des Nations Unies. Donc dans la rue, on entend plein de langues, pas uniquement le français. On est quasiment tous un peu d'ailleurs aussi, donc on a souvent une langue maternelle qui n'était pas le français. Je trouve que c'est agréable d'être dans une ville où potentiellement vous avez l'impression de voyager tout en restant dans votre ville, où vous êtes confronté à la diversité dans ce qu'elle a aussi de plus intéressant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un environnement social où tout le monde se ressemble. Moi-même, je suis d'origine étrangère, mon père était italien, ma mère française. Et donc c'est aussi une ville, je pense, quand on est d'origine étrangère, où on se sent bien parce qu'on ne se sent pas tout seul.